Non, non, bon Dieu créateur, non, non, ancêtres, non, non, tout nan chon guinéo, n'a dit Aïbobo, Aouchenago, Bilolo, pour tout haïtien, tout compatriote qui connecte nous tout partout dans le monde là. Moi, c'est ça, mais nous, frère, nous, merci Dieu, et c'est avec même plaisir, même l'amour, même fougue, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous rencontrer. Et bien, nous porter information dans la vidéo ça, qui permet de connaître toute la richesse que le pays d'Haïti gagne. Pour qui sa grande puissance, tant que les États-Unis, tant que la France, tant que le Canada, ils mettent pieds sous coup nous. Et c'est parce qu'ils connaissent la quantité de richesse que le pays d'Haïti gagne. Ils connaissent plus de pétrole, plus de gaz. Parce que tout pays qui est en Amérique latine, ils connaissent plus de passer tout. Même Venezuela, nous avons capté Ebanda avec gaz, pétrole qu'ils gagnent. Et bien, ils n'ont pas lavé pieds le pays d'Haïti, la quantité de pétrole que nous gagnons. Et c'est la raison ça qui fait grande puissance ça. Ils n'ont pas voulu pour le pays capable d'avancer. Ils ont utilisé même propre haïtien, série de politiciens et sans sentiment, politiciens qui vendent caractère au détriment de masse défavorisée. Et c'est raison ça qui fait qu'ils ne veulent pas pour le peuple à éduquer, ils ne veulent pas pour le peuple à ouvert. Eh bien, peuple haïtien, moi pour tes vidéos ça pour nous connaître qui richesse. Pour qui raison, nèg yo kimbe nous dans misère ça. Dans tout journal, les a parlé de haïtien, yo dit pays d'Haïti c'est pays qui pi pauvre dans Amérique là et pourtant c'est pas vrai. Avant yo parler, yo dit c'est nous pi pauvre, yo dit c'est nous pi mal, mais c'est parce que yo connaît qui ça nous gagne et nous même haïtien, nous pas connait qui ça nous gagne, nous pas connait potentialité nous. Yo même et ça et réseau ça qui fait. Le royaume monde appelé des palo mal, l'a dit bêtise ou pas connait pour qui ça pas fait rien. Ou mettre maintenant tête tout, c'est un bagaille qu'il découvre dans ou même, li pas vle wow et puis l'a joué pour ça. Des fois yon moun a palo mal tout le temps sans qu'on pas fait rien. Gardez, ou mettre garder ranger chito. Parce que c'est pour essayer de comprendre tête ou chercher qu'on est qui sort gain la caille ou qu'on pas qu'on est pour qui raison que l'a joué là. C'est parce qu'elle découvre le potentialité la caille ou qui fait le pas le qui fait l'a joué. Peuple haïtien, ouvrez oreilles nous bien grand. Partagez vidéo ça pour moi dans toutes sur toutes réseaux sociaux. Partagez vidéo ça sur tout groupe et WhatsApp tout ça lié. Parce que un professeur africain qui peut l'expliquer nous. Qui quantité richesse pays d'Haïti gagne? Pour qui ça grande puissance sur qui nous dans ça nous y est là? Peuple haïtien, ouvrez yeux nous dans 21e siècle ça. Nous passons trop de temps dans misère, dans calamité. Moment arrivé pour nous ouvrir corps, nous pour yaya corps nous. J'aime te dire nous matin, hein? Maurice Sisto dit, c'est des situations qu'on la donne. Sous pas sous que corps pour sortir la donne. Personne monde pas prêter la donne. Politiciens senti confortable Jean pays d'Haïti est là parce que les pays d'Haïti pi mal et là ça fait plus cob et puis nous mêmes petit nous obligé à précanter après à mourir dans la mer poisson à manger nous n'a parlé dans Saint-Domingue dominicain et à maltraiter nous yo humilier nous mais c'est à cause politicien yo en étendez professeur africain ça lui même qu'a parlé de richesse pays d'Haïti de pétrole que nous gagnons dans pays de l'or que nous gagnons dans pays a et c'est raison ça qui fait nek ça yo même yo kembe nous dans ça nous y a dans crasse dans misère peuple haïtien moment arrivé pour nous prendre conscience des situations non pour nous connaître qui ça nous vaut et puis pour nous capable lever scope figure nous pour nous courir derrière vagabond sans guider dans pays d'Haïti pour nous capable pour petite nous capable gagner un avenir demain on suive. Diamant, l'iridium qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre, Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? Vous savez qu'Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre, Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? C'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance,
Nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voulez la faire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions, nous, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir. Et ça, c'est pas simplement un problème haïtien, ça nous concerne tous. Exactement. Vous voyez, et ça, c'est important. C'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. Est-ce que le gisement de pétrole riche de toute la... Est-ce que vous savez que Haïti est le pays le plus riche de toute l'Amérique du Sud? Vous savez qu'il y a du pétrole en Haïti. Vous savez qu'il y a de l'or. Vous savez qu'il y a du diamant. L'iridium, qui est un métal qu'on utilise pour envoyer les fusées dans l'espace. Haïti n'a pas un problème de pauvre, Haïti a un problème de riche. Vous comprenez l'affaire? C'est pas un problème de pauvre, c'est un problème de riche. Est-ce que le gisement de pétrole en Haïti est supérieur à celui du Venezuela? Et c'est simplement maintenant que les Haïtiens percutent au fait que même certains gouvernants haïtiens ont avoué que même le FMI a déjà signé des contrats pour exploiter ces richesses-là. La chose maintenant, c'est que si nous avions cette volonté de puissance, nous aurions pu intervenir dans ce jeu. Est-ce que vous voulez la faire? En apportant de l'engineering, en apportant de la réflexion, en apportant même ne serait-ce que des discussions autour de ces thèmes-là. Mais la chose, c'est qu'on s'enferme dans des histoires d'esclavage et autres, alors que le problème de fond, c'est que nous avons des richesses inestimables que les autres voient, mais que nous, on ne voit pas même dans notre subconscient et nos inconscients. Donc tout ça doit montrer qu'il y a en fait un effort de projection de nous-mêmes que nous devons faire dans l'avenir, de manière à faire en sorte que nous puissions, nous, tout simplement, nous arrimer à cette projection. C'est-à-dire, si dans l'avenir on se voit grand, vous allez voir que nous allons agir de manière à aller vers cette grandeur. Mais si dans l'avenir on se voit mendiant au bord de la route, eh bien, on est en train de prendre le chemin de la mendicité. C'est-à-dire, c'est cette projection qui va nous fixer le cap collectif. Et ça, c'est important de décider une bonne fois pour toutes comment on se projette dans l'avenir. Et ça, c'est pas concerne tous. Exactement. Vous voyez, et ça, c'est important.